Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre Barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement vous aider à vous préparer pour Raiden, donc la Shogun, d'Inazuma, Baal, vous l'appelez comme vous voulez. Parce que, en réalité, va falloir énormément farmer dès sa sortie, parce qu'il y a pas mal de ressources qui ne sont pas déjà disponibles sur le jeu. Vous savez qu'on va avoir des nouvelles zones pour la nouvelle mage, et donc, va falloir bien préparer en amont tout ça. Parce qu'il y a pas mal de résines qui devraient être utilisées, pas mal de mora également comme d'habitude, et des livres bien sûr, comme lorsqu'on monte n'importe quel perso. On parlera également de Sarah, parce que faut savoir que ces deux persos-là ensemble vont consommer les mêmes ressources, ce qui fait qu'il faudra quand même une taille assez astronomique, et ça va prendre beaucoup de temps pour monter vos persos. Donc, si vous voulez vos persos le plus rapidement possible, lorsque vous allez les dropper, parce qu'on veut tous les monter 90 avec les skills niveau 8 minimum lorsqu'ils sortent, ça va être assez compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous donner un maximum d'infos et de billes pour que vous puissiez vous préparer un maximum avant leur sortie. Comme d'hab, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu pour soutenir et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Bientôt les 20 000 abonnés, merci beaucoup pour le soutien, on y va. Commencer avec la fiche explicative sur Baal. On a ici tout le détail de l'ascension et des élévations d'aptitude faites par Deville Takoyaki, comme vous voyez avec la petite watermark qui est disponible juste ici. N'hésitez pas à aller check, que ça soit sur Reddit ou sur Twitter. Première chose à savoir qui est très importante, on va faire un parallèle entre Baal et Sarah. Pourquoi? Parce que les deux utilisent les mêmes matériaux au niveau de l'ascension. Et ça va être extrêmement coûteux et ça va être surtout très dur. Pourquoi? Parce que là, vous allez voir qu'on a pas mal de matériaux qui ne sont pas encore sortis. Donc, il va falloir se concentrer un maximum sur ce qui est déjà sorti. Vu qu'à la sortie de ces deux personnages-là, ça fait beaucoup de sorties, mais je ne pouvais pas dire d'autres mots. Vu que quand ils sortiront, on aura tout simplement plein de choses à farm. Vu qu'il y a des nouvelles zones et qu'ils utilisent les nouvelles ressources de ces nouvelles zones-là. Et aussi des nouveaux boss. Donc, pour ce qui est de l'élévation au niveau de l'ascension, on va avoir tout simplement le nouveau boss, donc l'océanide électro qui s'appelle Thunder Manifestation. Vous voyez l'incroyable accent anglais que j'ai. Donc la manifestation du tonnerre. On va tout simplement avoir 46 matériaux sur ce boss-là à farm. Vous voyez qu'on a également les éléments électro. Alors ça, je vous conseille de ne pas le farm pour l'instant, même si vous pouvez le farm sur l'hypostase électro. Pourquoi? Parce que vous avez de toute façon être obligé de les farm en faisant la manifestation du tonnerre. Vous allez tout drop là à hauteur de 3-4 éléments comme ça, et puis le reste ça dépend de votre chance. Mais en gros, en farmant 46, vous allez déjà en avoir pas mal. En plus de ça, vous allez avoir également tout simplement la table des synthèses qui va vous permettre de changer un élément en un autre. Je m'explique, par exemple, les fragments pyro, animaux, etc., vous allez pouvoir les convertir en fragments électro. Donc, depuis la mage qui est passée il y a un certain temps, vous pouvez tout simplement synthétiser. Ça, c'est très cool. Donc, je vous conseille pour le moment de ne pas farmer l'hypostase électro. Gardez surtout le jour d'avant de la résine fragile et essayez de garder un maximum de résine condensée également. Là, toutes les résines fragiles que vous avez, gardez-les. Et juste avant, un ou deux jours avant, essayez de garder 5 de résine condensée, donc le maximum, pour pouvoir farm et puis monter vos persos le jour 1 au maximum que vous pouvez. C'est vrai que au début, dès qu'on a le perso, on veut le monter très vite pour le tester. C'est un peu frustrant au début de ne pas pouvoir le monter. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est parce que c'est très très cool de pouvoir directement utiliser le perso. Et je vais essayer de vous faire préparer un maximum pour tout ça. Alors, première chose. Donc, deuxième chose, ça va être tout simplement le fruit Tenkumo. Ça va être un fruit qui va être disponible sur la nouvelle zone. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas farmer. Donc ça sera à faire le jour même. Mais par contre, il y a un outil qui est très intéressant, ça va être la carte interactive de Genshin. Je vous la mettrai dans la description, on a disponible sur pas mal de sites. Donc, quand vous avez quelque chose à farm, donc que ça soit les monstres ou tout simplement les produits comme les fleurs, etc., ils vont apparaître sur la carte. Là, comme vous voyez, j'ai activé tout simplement les samouraïs pour pouvoir récupérer les cartes, du coup pour pouvoir farm les aptitudes. Et on a le détail sur la map de combien il y en a et leur emplacement. Ça, c'est super cool. Pour le moment, c'est pas disponible pour la nouvelle zone vu qu'elle n'est pas sortie. Mais Genshin étant un jeu vraiment super collaboratif au niveau de la communauté, etc., je vous garantis qu'au bout d'un jour, vous allez pouvoir avoir tous les détails pour maximiser l'efficacité de vos farms. Donc, très important, la map Genshin Impact, n'hésitez pas à aller check dans la description. Elle est vraiment phénoménale et ça fait gagner énormément de temps. Vous avez tout dessus, hein. Vous avez les boss, vous avez les monstres, vous avez les ingrédients, les minerais, la chimie, même les quêtes à trouver. Donc, vraiment, allez faire un tour. Ça fait gagner énormément de temps. Donc, on va voir
comme je vous le disais juste avant, les gardes de chevaliers à farm. Ça, c'est assez compliqué parce que on a eu Ayaka récemment qui les utilise aussi de mémoire. On a eu aussi l'arme d'Ayaka, donc qui les utilise également, ces gardes. Donc, il va falloir farm énormément de samouraïs. On va devoir faire on va devoir faire un carnage sur la map d'Inazuma pour récupérer tout ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on pourra faire. On va avoir également au niveau de l'élévation d'aptitude, la Signora qui va arriver, donc le nouveau boss qui a été dévoilé dans le trailer de la version 2.1, qui va nous permettre de récupérer des sortes de fleurs de feu qui vont nous permettre d'augmenter les aptitudes. A savoir que les aptitudes, c'est à partir du level 6 jusqu'au level 10 qu'il faut utiliser ça. Donc, et que c'est proportionnel, du level 6 au 8 c'est 1 et du level 8 au 10 c'est 2. Donc une ressource très importante et très intéressante, mais il faudra finir l'histoire pour l'avoir, je pense. Hein, que Signora, ça doit être le boss final. Donc c'est quelque chose qu'on peut avoir dès le début, si on ne peut pas avancer dessus, c'est pareil de la même façon. C'est pour ça qu'il faut se concentrer vraiment sur ce qu'on peut faire. On va avoir tout ce qui est les parchemins, donc vous allez le jour désigné, donc le mercredi, samedi et dimanche où vous pouvez tout farm, et vous allez récupérer tout ça. Vous voyez que rien que là, dans les trucs qu'on n'a pas et qu'on peut farm, il y a déjà énormément de choses à récupérer. Sachant que les ors ici, vous pouvez en enlever beaucoup, hein. Il y a écrit 114, mais c'est dans le cas où vous mettez toutes vos aptitudes level 10. Vous pouvez facilement enlever la moitié si vous voulez mettre simplement level 8. Donc là, il y a déjà énormément de choses à farm. Niveau résine, on va avoir encore des gardes d'épée. Donc comme vous voyez, un garde d'épée ici, il y en aura pas mal à farm. Au niveau de l'élévation, tout simplement de l'ascension, et des aptitudes. Bon, les couronnes, ça, pas besoin de détailler dessus, on sait ce que c'est. Donc maintenant, on va passer à la fiche de Sarah. Pourquoi je vous disais que c'est très important? Parce que Sarah utilise les mêmes ressources que Bal, donc avec la manifestation du tonnerre juste ici. Donc vous allez devoir la cogner beaucoup de fois, tout simplement, cette manifestation du tonnerre pour pouvoir tout récupérer. En plus de ça, on va avoir également une nouvelle fleur là, mais... une bonne nouvelle, on va avoir les masques. Donc les masques des brutaux à farm, ça je pense que tout le monde en a une réserve assez conséquente. Si jamais, n'hésitez pas à aller sur la map interactive que je vous ai montré pour récupérer l'emplacement et aller tout simplement taper du petit Brutocolinus pour récupérer tout ça. On va avoir également la nouvelle ressource de Signora, mais là ici comme vous le voyez ce n'est pas la même que pour Baal, donc ça c'est un bon point. On va pouvoir tout simplement récupérer différents éléments et pouvoir monter les persos comme on veut. Parce que c'est vrai que si les mêmes utilisaient la même ressource, ça aurait été encore plus galère. Donc là, comme vous le voyez, le jour où on peut pas farm Ball, bon, on peut farm Sarah tout simplement. Donc ça, c'est assez cool. Le mardi, le jeudi, on peut tout simplement, et le dimanche bien sûr, récupérer tout ce qu'il faut pour monter ses talents. Donc comme d'habitude, au niveau des couronnes, hein, pour le level 9 à 10, pour tout simplement couronner vos persos et mettre des aptitudes level 10. A savoir que ça, c'est très important et faites très attention sur qui vous mettez vos couronnes, bien sûr. Donc, voilà pour le petit topo des deux. Comme vous voyez, en fait, il y a très peu de ressources qui sont déjà disponibles. C'est pour ça qu'il faut déjà se concentrer dessus. Dès la sortie, il y aura énormément de choses à farm. C'est pour ça qu'il faut anticiper un maximum à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça aurait été trop facile, bien sûr. Faire une vidéo pour vous dire qu'il y a juste ces deux trucs-là à farm, c'est pas tout simplement suffisant. Il y a ça, bien sûr, quelque chose que certains oublient, le coût en mora et le coût tout simplement en livre. Donc le coût en livre, c'est toujours le même, hein, 421 pour monter un perso level 90, mais surtout le coût en mora, c'est 1 672 000 pour le niveau. Pour les talents, ça va être 1 650 000, donc pour un seul, pour une seule aptitude, et pour l'ascension, ça va être 420 000. Donc vous voyez ici que rien que mettre les niveaux, en fait, les mettre au niveau max, ça va nous coûter 2 millions. Pour chaque aptitude, bon, faut pas monter toutes les aptitudes level 10. On va dire level 8, c'est super correct pour le coup. Ça va être 260 000. Donc 260 000, sachant qu'on a 3 aptitudes, ça fait tout simplement 780 000 mora. Donc vous voyez qu'ici, on est déjà à 2 780 000 mora. Rien que pour monter le perso level 90 et pour augmenter ses talents au level 8. En plus de ça, vous allez avoir des larmes forcément à augmenter, donc faites très attention au niveau des moras, comment vous gérez ça en fait. Parce que là, vous avez le détail en entier, faites attention, ne faites pas n'importe quoi, ne montez pas vos persos 90 alors que vous avez juste assez de livres pour en monter un 80 et l'autre aussi, parce que comme vous le voyez, entre le niveau 80 et 90, on a le double de livres qui sont utilisés. Hein. On a vraiment 172 livres qui sont utilisés. C'est un truc de fou. Comme vous voyez là, c'est 421 max. Ça représente plus d'un tiers
des ressources. Donc si par exemple vous droppez Baal plus Sarah, vous avez des ressources limitées, faites bien attention. C'est mieux d'avoir Baal et Sarah level 80 ou Baal level 80 et Sarah level 70 qu'avoir Baal level 90 et Sarah level 20. Ça sert à rien si vous voulez jouer les deux persos, vous pourrez pas. Pareil pour tout ce qui est les aptitudes, faites très attention à ce que vous montez parce que c'est proportionnel et ça augmente de plus en plus au niveau de la valeur en Mora. Donc faites très attention et regardez bien le tableau avant de monter vos persos pour que vous sachiez quoi monter avec qui. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite préparation pour Baal et Sarah qui devra arriver dans à peu près une semaine et quelques jours, une semaine et demie. Si vous voulez commencer à profiter du farm, n'hésitez pas, sachant qu'en plus de ça, on va avoir les artefacts à farm, les livres, les moras, et puis derrière les différentes ressources. Donc clairement, vous vous y prenez jamais assez tôt, comme j'ai dit tout à l'heure. Le perso, quand on l'a, on veut jouer un maximum assez rapidement, au moins level 70 avec les aptitudes level 6, pour avoir quand même un showcase qui est assez cool. Donc n'hésitez pas à commencer à farm tout ça. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. L'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos, vous êtes les bienvenus. Et on live sur Twitch très souvent le soir, donc vers 19h30, 20h, des fois je lance un peu plus tard. Mais du coup, tout est dans la description. Le Twitch, n'hésitez pas à le rejoindre et à follow aussi pour activer les notifs pour savoir quand je suis en live, comme ça si je le fais un peu en retard, vous êtes quand même au courant. Il y a un Discord également si vous voulez de l'aide, il y a beaucoup de gens pour vous aider dessus, que ce soit au niveau de vos stuff, au niveau de vos quêtes, si vous avez quelque chose où vous galérez, on est là pour vous aider. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou journée, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.